Oh,
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons combien le départ est si difficile. Et à Louise, tu étais pour nous une mère, la mère de nos enfants. Tu as vécu avec maman Thérèse. Tu as grandi dans la rue d'Armel avec papa Gabriel. Tu étais la fille de Mambiki. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous ne savons quoi dire si ce n'est que te dire, la Louise, tu nous as précédés dans le royaume. Dans le royaume, parce que Dieu a dit, ici-bas, nous sommes de passage. Mais la vraie question qu'on doit se poser, nous qui sommes restés ici, nous devons nous battre et penser maintenant où elle est, Yahweh. Et nous, quand nous irions, nous serions où? C'est le moment où nous devons véritablement retourner le regard vers Jésus le Christ, Jésus le Fils, qui est la résurrection, celui qui a ressuscité Lazare ici-bas. Mais dans le royaume des cieux, Yahweh, tu nous as précédés. Nos yeux te verront un jour. C'est vrai que la séparation n'est pas facile. Mais pour les croyants, pour ceux qui croient en Jésus, ceux qui croient que ce n'est qu'un passage et que Yahweh est rentrée dans le repos et qu'elle vivra éternellement. Mais nous ne pouvons que nous réjouir et dire merci Seigneur. Merci parce que tu lui as fait rentrer dans le repos. Merci parce que tu as intensifié, tu as enlevé sa douleur. Merci, ô Père, nous voulons simplement te dire, toi seul es digne d'être adoré dans ce lieu. Parce que la Bible déclare, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Aujourd'hui, il y a le deuil. L'évidence est là. La douleur est là. Mais nous savons aussi qu'il y a la paix et la joie en Jésus-Christ. Il y a la paix et la joie en Jésus-Christ. Il y a la paix et la joie en Jésus-Christ. Alors que le nom de Jésus soit glorifié dans ce lieu. Nous tous qui nous sommes réunis ici, nous avons entendu parler de Jésus. Nous avons entendu parler qu'il est la résurrection. Nous avons entendu qu'il est le seul, le véritable, le redoutable. Celui qui tient la vie et celui qui tient le souffle de la vie. Celui qui détient la vie et celui qui détient la mort. Alors celui qui tient les clés de la mort, c'est lui. Celui qui détient les clés de la mort, c'est lui. Celui qui ouvre les portes et celui qui ferme la porte. Il n'y a point d'autre Dieu qui pourra fermer la porte. Le témoignage de Christ face à la mort de Yahweh qui faisait partie des familles Mambiki, qui faisait partie des nôtres, qui faisait partie des nôtres, aujourd'hui, elle nous a précédés dans le royaume. Seigneur, nous voulons te rendre gloire et grâce. Nous voulons simplement te célébrer. Nous voulons te dire Alléluia. Nous voulons chanter Hosanna. Nous voulons te dire Alléluia. Nous voulons te dire merci. Toi qui as dit dans ta parole, en toutes choses, rendez gloire et grâce. Nous te rendons gloire et grâce parce qu'il y a Louise. Aujourd'hui, nous la voyons là. Mais elle est déjà rentrée dans le royaume. Elle vit éternellement. Elle est rentrée dans le repos. Oui, nous le croyons. Et maintenant, nous devons nous attacher à celui qui est le rocher, à celui qui est l'appui, celui qui est la force, celui qui est le redoutable, celui qui est tout, celui qu'aujourd'hui, le corona a ravagé les gens. Aujourd'hui, Yahweh est parti. La question que nous tous, que nous sommes ici, un jour, la mort frappera devant nos portes. Où irions-nous? Où irions-nous? Où irions-nous? Si ce n'est que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais de réaliser. Il y a Yahweh qui est avec nous. Le mardi matin, qu'elle était en train de parler avec Yajan. Elle était en train de parler avec Satili. Personne ne savait qu'elle allait quitter cette terre. Le monde, toi aussi, Péa. On ne savait pas qu'elle devait quitter ce monde des vivants. Mais voilà qui nous a précédés. La mort est devant nous, mais la vie est devant nous aussi. Mais la vie, nous devons chercher la vie. Nous devons avoir la vie. Nous devons posséder cette vie, mais en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons l'adorer. Voilà pourquoi nous allons le célébrer. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Merci.
kiponi kandi kuyanga lala Mukemi sanzambi Suru toto yele kwa bia vyo sono viziti samba Vangi kutanga ngabo Ita upeto baka vanga mukifani kandi kuyanga lala Mukemi sanzambi Uzulanda bakutonda nga mubisi byawo
Les chèvres à sa gauche,
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Un passage. C'est une transformation d'une forme d'existence. Nous avons une hypothèse à une vie plus accomplie et définitive en Jésus. Voilà. Donc ça commence d'une transformation. La mort clinique ne traduit pas la fin de la vie. Parce que Dieu nous a créés pour la vie éternelle. Jésus nous dit dans sa parole, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Afin de m'amener à Porta.
première lecture, Saint Jean nous exhorte à l'amour. Elle nous laisse une leçon de générosité. Elle nous laisse une leçon de charité. Elle était animée par cet amour pour faire le bien, pour aider le prochain. Voilà sa vie. À plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de la saluer, puisque c'est dans cette maison de Dieu qu'elle venait prier. Voilà l'amour. C'est pas il y a une bulle, il y a un portail, vous savez, ça fait ça. L'amour, c'est les actes. Souris pour tout côté de la
action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la voix de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles dans l'esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. » Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'on est au pas, au corps et au sang du Christ. Nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de Louise, notre sœur, ta servante, qui s'est endormie dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière pour ta gloire.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons reçu du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-lui de tout mal. Et donne la paix à notre temps, donne la paix dans nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans toujours cette paix. Et quand tu la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour des siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. L'école secondaire, son BEC, BAC, université,
puissance professionnelle, vie professionnelle, elle était administratrice des services administratifs et financiers à la direction générale du Trésor. Vie politique, anciennement conseillère municipale, ancienne députée suppléante, ancienne députée titulaire, membre du bureau exécutif du Conseil consultatif de la femme à son décès. Vie religieuse, membre de la confrérie Saint-Michel du Congo. À toi, madame, qui va te réparer. Moi, ton mari, mon petit Jean-Rémy. Tout est 8 enfants et 26 petits-fils. Mes parents, tes amis et tous ceux qui t'ont connu, tout le monde est là, soit physiquement, soit en esprit. Nous sommes tous là pour te dire non pas un adieu, mais plutôt un au revoir. Et que ce n'est qu'un dernier hommage mérité. Un au revoir, car tu pars simplement avant nous, bien trop tôt et vite. Ton absence parmi nous nous rappelle comme une évidence que nous ne sommes que des passagers sur terre et des souvenirs inoubliables qui ont émaillé ta vie. Tenez, toute ta vie durant, tu as su accepter les autres sans distinction de couleur, d'âge, de morphologie physique et de catégorisation sociale. Tu as toujours su faire beaucoup avec peu, car le partage sans condition était entre deux. Tu as toujours été très contagieuse en matière d'amour, car les faisceaux de cet amour que tu dégageais ont touché des personnes de partout, leur apportant consolation, joie, résolution à leurs problèmes. Tout le monde n'a pas oublié ton assistance légendaire au profit des malades, des personnes démunies et de tout âge. Tous se souviennent encore de ton état d'esprit d'humilité exceptionnel qui s'est traduisait par la non-exhibition de tes brillants parcours scolaires, administratifs et politiques. Bref, tu nous laisses le souvenir d'une femme très généreuse et toujours souriante, dont l'éclat nous illuminera à jamais, à tel point que ta mémoire restera gravée en lettres d'or dans nos cœurs. Au moment où tu quittes cette terre à l'âge de 65 ans, en laissant 8 enfants et 26 petits-fils, moi, mon petit Jean-Rémy, ton mari, je te fais la promesse de continuer ce devoir envers eux. Et je te dis ceci, voilà mon message. Chère âme bénie, je t'avise, tu es déjà bénie par Dieu à travers ton œuvre grandiose, teintée d'amour divin et de paix, que tu as bâti ta vie durant au profit des autres et de Dieu. L'amour divin étant la voûte du ciel, il n'y a plus de doute en ce moment que tu es accueilli par Dieu afin de continuer ta mission comme sa collaboratrice. Car tu es âme et en tant qu'âme, tu es immortel. Au revoir, ma femme, au revoir, ma chérie, au revoir, Badine. Merci.
séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre épouse, notre mère, notre camarade, notre tante, maman Louise Vasenivita. Avec respect et affection, confiance en Abba Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec maman Louise, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celle qui parvient au seuil de ta maison. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Ensemble, prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Quand la nuit de la mort la retire à nos yeux, que se lève pour elle ton soleil sans déclin. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Elle est plus parmi nous qu'elle soit auprès de toi. Nous savons ta tendresse, tu accueilles et pardonne. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. N'est-elle pas ta fille depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné la vie? Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. Par l'amour de ton Fils, elle t'appartient déjà. Qu'elle vive en ta présence et partage ta gloire. Prends avec toi, Seigneur, celle que nous aimons. En signe de respect pour toi, Maman Louise, voici cet encens qui le monte devant Dieu avec notre prière. Notre Père, Seigneur notre Dieu, nous te commandons Louise Vasenivita, ton amour l'accompagne tout au long de sa vie, délivre-la maintenant de toute âme. Elle a quitté ce monde qui passe avant que là auprès de toi. Il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix. Avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Ma Louise, dans un geste de dernier adieu, chacun de nous va maintenant s'incliner sur tes restes mortels. Que la prière de ta famille, de tes amis, avant ce jour Tanissa, la douceur de Tanissa qui a triomphé de la mort, t'obtienne de connaître maintenant et pour toujours la paix et la joie des fils de Dieu. Voilà, avant de hier, on a dit le pas. J'ai dit que le domaine de mes obsèques, tous mes compatriotes, je suis une voix honorable. Il m'a dit, petit frère, je viens de l'assister. Mon frère, merci de ta présence. Voilà.
nous sommes arrivés au terme de cette messe. Je vais rendre la bénédiction, donner la parole au maître de Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Le Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous avons reçu. Mesdames, Messieurs, la famille vous remercie de votre chaleureuse présence, ainsi que de toutes les marques d'affection que vous avez pu témoigner durant ce moment qui reste toujours plus que difficile. Et pour le gros déroulement de cette cérémonie, ce sont donc les membres de la famille que je vais inviter à se rapprocher dans un premier temps, qui regagneront leur place après leur passage autour du cercueil, et nous terminerons par l'assistance, donc des amis, des voisins et autres personnes qui sont parmi nous, qui seront invités par le personnel funéraire dispersé parmi vous. Nous vous ferons vous rapprocher le moment venu et à revoir. Mais avant de laisser vous rapprocher, je voulais vous répéter une nouvelle fois que la police municipale à l'extérieur vont passer d'ici 5 petites minutes, parce qu'il y a pas mal de véhicules qui sont mal garés. Si vous ne déplacez pas vos véhicules, ils vont vous mettre des amendes. Donc le mieux serait de se déplacer dès à présent. Merci à tous, mesdames, messieurs. Je vais donc vous laisser vous rasseoir, à l'exception des noms de la famille, que j'invite à approcher, s'il vous plaît. Thank you.
Messieurs, avant de procéder à l'inhumation,
Je vais vous demander de respecter quelques instants de silence et de recueillement. Cela vous permettra de vous rappeler tous les bons moments que vous avez passés à ses côtés. Merci à tous. Là où tu étais, mais tu y es maintenant avec nous tous les jours. Nous te disons au revoir et à bientôt. Merci. Au revoir, maman. Mais chantons un peu. Chantons. Vous allez pouvoir vous recueillir une dernière fois et je propose qu'on commence par les membres de la famille s'il vous plaît. N'hésitez pas. Maman, toujours ma grande soeur. Tout ce que je te demandais, tu faisais à nous. Je sais pas si je vais vivre pour ça, toi. Je te dis pas à Dieu, je t'en envoie, maman, je t'aime. Honorable Basilicalie, moi ton mari, mon petit Jean-Rémy, je t'ai aimé toute ma vie. 48 ans d'union, pendant 48 ans, nous avons vécu ensemble. Et voilà que le destin décide autrement. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Mais sache que, comme je l'ai dit à l'église, je vais continuer en œuvre. L'œuvre que nous avons commencée ensemble. Je vais la continuer. Je sais que par ta générosité, par ton sourire, tu continueras à nous éclairer, à nous égayer, à nous donner cette force. Merci, 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 Madame Ombiki, n'est pas de l'Italie. Va en paix. Que Dieu t'accueille dans son royaume. Merci. Thank you.
Au revoir. Ça va, ça va, ça va. Betoningue, faut t'apprêter, faut
Donc c'était Cédro la loi. Un petit mot. On est où là? On est dans le 95. Un petit mot. Assister la famille de notre maman de Kinsunzi. D'accord. Madame Louise, elle a fait beaucoup pour le quartier. Donc il fallait qu'on soit là. Donc que son âme repose en paix quoi. Mama, I'm so in love.
ndenge pona mama na biso to to uchi ko chika to pesi au revoir quoi. C'était une maman pour moi, moi j'ai beaucoup la satirie. Je connais la famille depuis la fête. J'étais une copine à satirie, on fait beaucoup ensemble, on fait des choses. Donc, ça rappelait, donc c'est la famille. C'était une maman qui nous recevait à une soudie, très bien, donc. Gentil. Alors qu'est-ce que vous là? Au moins vous les bêtiez. Ah oui, au moins les bêtiez tant qu'à la tête à l'huile. Vous les bêtiez pour la marque. Ah ça? On a eu bien été maintenant confirmé qu'on a un miracle et quoi. Donc maman, ma petit mot. Je suis sa fille. Les mots me manquent. D'accord. C'est tout triste, il fallait pas. Il fallait pas. Franchement, comme on dit dans la vie, les bonnes choses, c'est tout. Voilà. Donc, ça va dans mon thème, ma belle, pour vous, mais dans mon kiné. Ah,
Je vais vous dire que je suis un peu plus de temps. Je vais vous dire que je suis un I'm gonna go to the hospital.
remercier les amis et connaissances et tous ceux qui m'ont apporté leur soutien, tant moral, physique que financier. Et c'est à des moments comme ça qu'on reconnaît effectivement les vrais amis. Et vraiment, une fois de plus, je leur dis merci. Merci aussi à vous qui avez couvert l'activité. Merci beaucoup, papa.